Oriental poison. On va aujourd'hui prank ce Kerry et lui faire croire qu'il vient pas à la Perpignan Game Show. N'hésitez pas à exploser la barre des likes, je compte sur vous. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à vous abonner. Jawad ? Attends. Lia ? Hein ? J'ai reçu un mail de Perpignan. De la Perpignan Game Show. Appelle, on n'avait pas à voir si on est en première ou deuxième classe. Ouais. On doit voir. J'ai reçu un mail de Perpignan. Ouais. En fait, putain, fais chier, il t'accepte pas. Ça ? Ouais, au dernier moment, il m'a dit qu'il pouvait pas t'accepter. Parce qu'en fait, malheureusement, en fait, quand quelqu'un. Enfin, le mec t'avait accepté, t'en rappelles ? Le mec t'avait accepté, t'as me sorti. Ouais. Sauf qu'en fait, il a pas fait comme d'habitude ils font, c'est-à-dire que là, il a vu que t'étais un youtubeur avec 5000 abonnés, ouais. Il s'est un peu précipité, c'est-à-dire il s'est dit bon bah je vais le prendre, si j'arrive Game X13 tant mieux. Hein. Ouais. Et en fait, le patron par contre lui a regardé ta chaîne, ouais. Et en fait, t'es trop vulgaire dans tes vidéos. Quoi ? C'est pas moi qui le dis, regarde, c'est eux, hein. c'est pas moi qui le dis. Moi je te dis, je t'ai invité exprès pour que tu aimes par tes abonnés et tout, mais Skip, t'es trop vulgaire dans tes vidéos. Ouais, Abdel, tu sais quoi, ouais. Abdel, dis-moi si c'est un prank. C'est ça, là ? C'est pas un prank. La caméra, elle est là-bas. Là, Zerma, ils ont refusé parce que. Attends, ils ont refusé parce que. Regarde, téléphone. Non, mais c'est bon, tranquille, vas-y, mais tranquille. Hé, attends, Abdel. Là, ils ont refusé parce que je suis trop vulgaire sur mes vidéos. Ouais, parce que. Ils ont jugé mon contenu. Ouais, ils ont jugé ton contenu. Bah, malheureusement, c'est ça qu'ils font souvent. Ils regardent le contenu des personnes et des fois, bah, malheureusement, le patron il jette un coup d'œil aussi parce que bah, en fait, c'est leur organisation. C'est pas juste. Oula, c'est pas juste. Et quand je suis invité chez Google à Paris, etc., on vérifie pas mon contenu. C'est ouais, quoi c'est parce là, que, moi. Tu sais pourquoi ils vérifient pas ton contenu ? Pourquoi ? Parce que Google, par exemple, est-ce qu'ils invitent du monde ? Bah, ils invitent. Oui, bah oui. Ils invitent la TV. Oui, mais est-ce qu'il y a des abonnés ? Non. Est-ce qu'il y a les parents des abonnés ? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour faire des photographes et des photos ? Non. C'est pas la même chose. C'est un truc, ouais, mais c'est un truc VIP, c'est un truc classe. Enfin, non, c'est pas un truc VIP. Je suis désolé, c'est pas n'importe qui rentre dedans. C'est ce qu'on appelle un event. C'est un event. Un événement, en fait, ça cible un groupe. Même pour rentrer chez Google, il te faut 2 semaines d'attente pour rentrer chez Google. Mais c'est quoi ce bordel ? Moi, je vais les contacter, Abdel. Je te promets, je vais les contacter. Ça se passe pas comme ça. Au début, on me dit oui, ça veut dire que là, en gros, j'ai niqué mon week-end pour rien. Je l'ai prévu. Moi, j'aurais su, j'aurais pris mon billet, je serais parti à Paris, moi, tel. C'est quoi ce truc-là ? De ça ? On juge mon contenu maintenant ? Depuis quand ? C'est pas eux qui vont me l'apprendre, j'ai des kilomètres sur YouTube, moi, j'ai des années, je connais le système. Hein. Abdel, c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce plan ? Attends. Lia ? Ouais. Viens voir, s'il te plaît. Moi je trouve que c'est un peu. Bon, c'est un petit peu. Non, abusé, mais c'est abusé, Abdel. Ah, c'est abusé, je suis désolé, c'est abusé. J'en parle à ta femme. Lia, t'as entendu ce qu'il a dit ? Non. Bah vas-y, s'il te plaît. Non, mais je vais essayer de lui montrer le mail. Le mail sur le PC, au pire, tu peux le montrer aussi. J'essaie de lui montrer le mail, il a refusé de le regarder, parce que bon, il me dit, voilà quoi, tranquille, tu vois, il s'en fout. Mais je veux dire, je lui ai expliqué un peu le mail. Ce qu'on je refusais de Perpignan Show là. Je lui dis, c'est normal. Bah, parce que. En gros, parce qu'ils m'ont jugé. Ils ont... Comment il s'appelle ce qu'ils ont invité ? Benjamin. Ils ont jugé sur mon contenu ? Benjamin, en fait, t'as rappelé, il nous a dit, ouais, quel est Game X13, invite les youtubeurs que tu veux avec toi pour l'événement et tout. Donc j'ai invité In The Kitchen. Et j'ai invité Jared. Sauf qu'In The Kitchen, tu vois, Benjamin, il a accepté In The Kitchen parce que voilà, il a vu qu'il avait une bonne chaîne.
Donc, il a présenté la chaîne après au patron, c'est-à-dire qu'il a accepté et après il a montré au patron. Pour Javed, c'est pareil, il a accepté, il a mis sur le site. C'est injuste. Au dernier moment, il a montré au patron que le patron lui a refusé parce qu'il a dû tomber sur une vidéo. C'est injuste. En plus, tu fais plus de contenu violent, je veux dire. Mais alors, mais non, mais normalement, c'est pas normal, il lui a dit ok pour venir. Bah oui, mais c'est pas le patron qui a dit ça, c'est l'employé. Moi je comprends plus rien ce truc là. C'est Benjamin qui a dit oui et en fait le patron. Voilà, a dit non. Il y a son le patron en fait il connaît Jared. Un bon client, ramène-moi le téléphone portable, je vais prendre mon billet pour demain pour Paris. Vas-y, c'est pas grave, tranquille. Vas-y, tranquille, y'a rien. Mais bien sûr que non, demain matin, Abdel, on se réveille, on appelle. Hein. C'est quoi ce truc là, c'est quoi ce ton fort, Abdel? Ils sont malades ou quoi? Là, je comprends pas. Moi, enfin, je sais pas, ça leur ressemble pas en fait. Ils ont jamais été comme ça. Hein. En plus, ils ont fait une bonne description sur moi, bien propre, bien soigné. Bah, c'est le mec qui l'a fait. Bah, c'est comme moi aussi, il était réticent à m'inviter la dernière fois parce que, bah, en fait, je faisais pas du lien. Non, mais c'est bon, Abdel. Excuse-moi, bon, Abdel, ramène-moi mon portail, je prends mon billet, s'il te plaît. J'arrête, je vais dire un truc, la vérité. Moi, la dernière fois, il m'a dit, on a été réticent parce que vous faisiez pas du gaming. Ouais, c'est pas grave, vas-y. On savait pas si vous allez ramener du monde. Et quand ils ont vu, franchement, j'ai ramené du monde, ils étaient contents. C'est pas grave, ma vie, elle continue, moi. C'est pas grave, je prends mon téléphone portable, je prends mon billet. Jawed, on verra demain, on appellera. Jawed. Billet, c'est moi. Jawed. Je prends mon billet. Non, Abdel, je prends mon billet. C'est quoi, c'est plan foireux, frère. J'ai un réservé un vendredi. Voilà, là, je prends mon billet. Il y a un rat. Ouais, ça me bat. Ah, Abdel, ça me bat. What you, you? Putain, ça me bat. You. Oh là là, oh le bâtard. Oh, I'm in love. I'm in love. Oh, le bâtard. Donnez, you. Bon, tu m'as fait flipper. Oh, la Perpignan chaud, là. Oh, c'est le bâtard. Ah, mais bah, vraiment, ouais, mail, hein. Chaîne complètement putaclic. Je suis pas d'accord pour qu'un mec comme ça, un bouillou, fasse 10 000 euros par mois, à peu près. J'ai pas ton salaire. J'ai dit à peu près, parce que, en fait, lui, plutôt son salaire, c'est vrai qu'il est pas vers les 10 000 euros. Il est plutôt vers les 20 000. Vas-y, putain, Abdel, vas-y, putain, t'es chiant. Bref. Bon, je peux vous dire. Mais là, on s'est auto. Je peux là, vous, dire, pouca, je peux vous dire à peu près le salaire de Jawed. Alors, il se situe entre. Allez, je peux le dire. Entre 17 000 et 0 euros. T'es genre le bâtard. Bon, bref, en tout cas, voilà, frérot, c'était complètement fake, c'était du mytho. Ça le bâtard, j'ai vraiment eu peur par contre. T'es en train de lui montrer un faux mail. Je vous promets, regardez. Non, sincèrement. Le mail, c'est un faux mail. J'étais vraiment sur le truc SNCF. J'étais vraiment sur le truc SNCF, je vous promets, j'ai failli prendre mon. Regarde, Grenoble départ pour Paris, 45 balles, j'en profite, allez. Une promotion, plus ça. Vous avez vu? Enfin bref, en tout cas, j'ai vraiment eu peur. Abdel, top là, check mec. Yeah, man. J'ai failli taper une crise, hein. Ah, c'est vrai que c'est. Moi, je me suis retenu par rapport à l'IA. Ça fait vraiment mal au cœur quand quelqu'un juste en contenu. Et c'est pour ça, des fois, certains disent. Oh, mais t'es énervé, mais j'ai rien dit, je parle pas de la personne, je parle du contenu. C'est normal qu'au bout d'un moment ça fait mal, parce que des fois certaines personnes ils savent pas ce qu'on fait ou ce qu'on essaie de faire pour tout ça. C'est normal que ça touche, donc c'est normal que ça touche un peu Jawed aussi. Donc voilà, faites attention à vous si un jour vous critiquez le contenu à Jawed. Si vous voyez dans la rue, ne lui dites pas. Et plutôt ouais. Demander un autographe et une photo, tu survivras. Bref, en tout cas les frères, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Voilà. Et puis on se retrouve très prochainement. Masse pouce bleu. La chaîne de Jawed en description. On vous donnera des nouvelles de la Paris. Enfin de la Paris. Toulouse Game Show. Toulouse. Perpignan. Tiens, on s'est trompé tous les deux. Perpignan et Game Show. On vous fera des photos, on vous donnera des nouvelles, on fera même des périscopes, tout ça, vous inquiétez pas pour ça. Et puis voilà. Non, pas périscope, c'est application, t'as le diable. Instagram. Sur ce, les frères, on vous laisse sur cette fin. Yardbarn comme ça, Floscom. Ciao, bye, cyber. Me inspiration. Ba bang 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 bang. Thunderball.